Yo les gens, c'est bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur Minecraft. On se retrouve les potes pour une nouvelle vidéo super spéciale. Parce qu'aujourd'hui les amis, on est simplement dans la petite map avec, vous savez, tous les personnages, donc toutes les maisons. Donc si vous ne connaissez pas toutes les maisons de cette ville, n'hésitez pas à aller voir simplement les autres vidéos avec Darwin, Lincoln Loud, Gumball, Oggie. En sachant que là on est dans la maison d'Oggie. Comme vous le savez très bien, Oggie c'est un de mes meilleurs amis et il me permet de tout simplement dormir dans sa petite maison. Et dans sa petite maison, bah, je peux vivre tranquillement, je peux faire mes bails et sans jamais que personne me dérange. Enfin, de temps en temps, il y a des gens qui me dérangent, mais ça, c'est la vie, on va dire. Bref, en tout cas, les potes, avant qu'on commence le vidéo, n'hésitez pas, ou pardon, à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait plaisir, enfin un énorme pouce bleu, t'as vu, à vous abonner. Ah oui, ça a toqué. En fait, cette vidéo, les gars, elle va être super cool, mais elle va déplaire à plus d'une personne parce qu'on va réinviter quelqu'un qui a essayé de me mettre en prison, qui m'a causé pas mal de problèmes. Je pense que vous avez deviné son nom. Mettez tous son nom dans les commentaires. Essayez de deviner, les gars. J'ouvre 3, 2, 1. Coucou. Wow. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Attends, c'est une blague, c'est une blague ou quoi là? Wow. Non, 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 c'est pas une blague. En fait, tu vois, comment on avait. Attends, je ferme la porte. Attends, là, on se barricade vite, attends. Attends, là, faut que tu barricades la fenêtre. Moi, je veux barricader. Attends, la porte. Non, non, arrête, arrête, arrête. Non, 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 non. Tu me refais pas le même coup là, Estelle. Non, 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 c'est pas que t'es foutu. On devait se revoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai ma cacoule. On devait se revoir aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Alors, les amis, en fait, je pense que comme... vraiment très, très, très mignonne cette petite Estelle. Comme... Alors, du coup, Estelle, comment vas-tu? Attends, je dois vite t'expliquer un truc. Tu vois, comme là, je devais partir et tout. Mm-hmm. Et je me suis enfuie de la ville, je suis partie de la ville. Et j'ai crié au effort. Ouais, j'ai menti pour l'histoire de football. En fait, je suis bien la criminelle. Et bah, tu vois, parce que moi, j'aime bien les risques. Et ouais, j'ai cru qu'ils allaient jamais me suivre. Et ils m'ont suivi. Et je me suis caché chez le neighbor. Ils ont pas osé rentrer parce qu'ils savent que c'était le neighbor. Et ils croient toujours que je suis dedans. Et moi, je me suis caché par la gueule. Attends. Donc, du coup, tu t'es enfui et tu t'es caché chez le neighbor. Du coup, maintenant, t'es chez moi. Ok. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique. Attends, viens, on se cache à la cave. Viens, vite, vite, vite. Ils vont jamais te trouver ici. S'il y a la police qui arrive, tu vas dans la cave. Et tu te mets dans cette cachette secrète. Tu te mets ici. C'est quoi? Ah! C'est trop bien ça! Ah oh, non, ça c'est pas prévu en fait, c'est des araignées, tout ça, c'est dégueu. Faut pas que t'ailles là. Mais c'est pas grave, c'est trop bien. Regarde, au moins il y a une échelle, je me cache, hop là, je me mets ici. Oh, c'est que ça, c'est un trou perdu, voilà. Vous te trouveront jamais ici. Regarde, je me mets ici là derrière, hop là, personne ne peut me voir. Bon, par contre, toi tu me dois des explications parce que tu m'as causé pas mal de problèmes et j'ai cru que j'allais y passer. Hein. Oui, oui, oui. Tu sais que j'ai dû m'enfuir par les égouts et tout, c'était vraiment dégueu. Du coup, voilà, j'espère que vous êtes content du retour de Estelle. Moi, en fait, ça me fait un peu plaisir, mais en même temps, je suis un peu mitigé, tu vois, de ton retour. Donc, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Mais moi, en fait, je suis un peu gentil, donc je pense que je vais te laisser la confiance un peu, tu vois. Et puis voilà. Alors, du coup, t'as mangé, t'as bu quelque chose? Ouais, ouais, enfin, non, désolé, j'avais un petit rhume tout à l'heure et je parlais comme ça, t'as vu? Ouais, ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Et sinon, toi, en fait, tu fais quoi dans la vie? Genre, parce qu'en fait, on s'est jamais parlé, du coup. Honnêtement, tu veux vraiment le savoir? Bah ouais, un peu, parce que on se connaît pas trop, tu vois. Ça se voit pas, honnêtement. Ah, t'es... Ah, tu fais du tir à l'arc? Non, en gros, je suis braqueuse, et des fois, les gens me payent pour que je fasse disparaître des personnes de ce monde. Wesh! Ah ouais, d'accord, et t'as déjà fait disparaître qui, par exemple? Alors, j'ai déjà fait disparaître Creeper, mais en gros, je peux pas vraiment faire disparaître, parce que tu vois, Creeper, il est un peu fort. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et du coup, il a résisté. Et donc, du coup, en gros, je lui ai juste crevé le ventre. Il a volé. Ah, mais ouais, mais il se dégonfle et il se regonfle, il me semble. C'est un. Ouais, bah un en fait, il a volé. Ouais, il s'est dégonflé pendant 6 mois. Et je crois qu'il s'est raccroché à une lampe. Que. Du coup, la lampe, elle est rentrée dans le trou. Et que, bah, du coup, ouf, ça a pu se reboucher. Ah, ouais. Ouais, je vois. Attends, on m'appelle sur mon téléphone. On m'appelle sur mon. Attends, on m'appelle. J'arrive. 2 minutes. T'as capté? T'as capté, c'est ah, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, du coup. Bon, du coup, faut qu'on se taille d'ici, non, c'est ça? Parce que là, on va pas pouvoir rester ici longtemps. On risque d'avoir quelques problèmes, Estelle. Bah, je sais pas. Là, ils croient toujours que je suis chez le neighbor. Si tu veux, attends, on peut faire un truc. On a qu'à te... J'ai qu'à te faire une maison. Ça prend pas longtemps. Viens, on dort tous les deux. Viens, on dort tous les deux ici. Moi, je veux... Bah, si tu veux, je veux bien dormir avec toi, mais pas chez Oggie. Parce que Oggie, s'il rentre ici et qu'il te voit toi, il aime pas les bails, genre les braqueurs, tout ça, tu vois. Mais et s'il te dénonce, ce serait dommage. Donc viens, dehors. Vas-y, viens, on va te trouver un terrain propice. Mais si tu veux, je peux le faire disparaître. Oh merde, j'ai pété sa télé, j'espère. Oula, il va pas être content.
Ah, on m'annonce à pareil que Creeper est en train de regarder la série Prison Break. Alors, est-ce que toi, tu regardes des séries, toi? Ah, j'ai juste regardé Stranger Things. Tu connais Prison Break? Ouais, je connais, mais j'ai pas encore regardé. D'ailleurs, il faut que je regarde peut-être. Ouais, et ben, il m'a dit, ouais, MRC Full Boss de m'avoir dit, parce que c'est vraiment trop bien. Et bah ouais, bah merci. Hein, franchement, si vous savez pas quoi regarder sur Netflix, t'appelles Full Boss, il dit quelle série voir. Bref, en tout cas, si vous avez pas vu cette série-là, les gars, je sais pas ce que vous avez, je sais pas ce que vous attendez en fait. Genre, go, allez la voir cette série, c'est meilleure série. T'as déjà vu Stranger Things? Meilleure série du monde, quoi? T'as déjà vu Stranger Things? J'ai regardé que l'épisode de 1. T'as quoi dans la tête en fait? T'as quoi dans la tête, je t'explique? Franchement, m'insultez pas la commission Stranger Things, mais j'ai pas kiffé l'épisode 1, du coup j'ai pas regardé la suite. Attends, écoute, je vais t'expliquer. Genre j'ai regardé l'épisode 1, je fais bon bah. On va regarder la Casa de Papel. Hein. Je vais t'expliquer. Les deux premiers épisodes de la saison et de la saison 2, je vais pas mytho, ils puent la merde, mais après c'est trop bien. Ok, ouais, il faut que j'ai le courage. Tu sais que la Casa de Papel, j'ai découvert ça il y a genre un mois. Genre, no fake. What? Les amis, m'insultez pas, mais genre, je connaissais pas en fait. Ouais, non, je rigole. Viens un peu ici, s'il te plaît. Mets-toi là. Bon, allez, bref. Du coup, on va faire une petite maison. Bon, c'est pas une vidéo Netflix, les amis. C'est pas une vidéo où on parle de séries ou on parle de films, tu vois. En tout cas, bref, j'ai envie de regarder American Nightmare aussi. Moi, je regarde des films qui datent de 2012. Oh, on s'en fout de ta vie. Là, on fait la maison. Qu'est-ce qu'il y a? On fait la maison. On fait la maison parce que là, ils me recherchent. Ouais. Bon bref, du coup, on va faire ta petite maison, on va la faire ici. Donc toi, tu veux une maison de quelle couleur, quel gabarit, quelle taille, quelle... Tu choisis parce que tu vas être mon nouveau petit ami, donc du coup, tu vas habiter avec moi. Oula, ça me plaît, tu vois, ça c'est plutôt intéressant. Bon, du coup, tu sais quoi, on va te mettre des bûches. Vas-y, donne-moi les blocs, pose-les au sol, tu vas voir. Pose-moi les blocs au sol, tu vas voir, je vais les dupliquer. Ah ouais, toi, tu dupliques. Regarde, bam, là. Oh, ça passe bien, ça. 1, 2, 3, 4, 6, 7... On va faire un truc comme As, tu vois, t'as capté, t'as capté ou pas? Est-ce que toi, tu manges des tacos ou pas, toi? Non, moi, je pars au Can of 2. Tu manges pas de tacos? Non, je pars au Can of 2, moi. Hey, ouais, est-ce que toi tu tapes des pulsions quand tu manges? Des grosses pulsions, genre tu t'envoles. Je fais King Ron. Oh là, ceux qui connaissent, putain. Quel homme. Bref, du coup, ouais, c'est parti, on va continuer du coup ce petit terraforming. Ah, tu fais le sol en quartz? Parce qu'en fait, je voulais un truc un peu pour trancher en mode. Tu sais, un truc qui change un petit peu, qui reste un peu dans le ton de la couleur. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur la maison et vous, quels auraient été vos matériaux que vous auriez tout simplement utilisé pour réaliser cette maison. Puis voilà, ça c'est assez intéressant. Et au pire, n'oubliez pas, les amis, attends, c'est quoi, continue la maison? Je vais faire ma petite pub sur Insta en attendant. Parce qu'en fait, j'ai un compte Instagram. Estelle, est-ce que tu me suis sur Instagram? Bonjour, depuis, bah vous voulez. Bah non, en fait, je t'explique. C'est quoi, on va mettre devant la maison tous mes réseaux. Alors, du coup, on va commencer par le Instagram, les amis. Insta, c'est tout simplement fullboss-du-bas. Voilà. Donc, tu tapes fullboss avec un tiré du bas. Et tout simplement, aux 2500 abonnés. Pour ceux qui ne savent pas, je vais m'abonner à l'un d'entre vous. Donc, ça veut dire qu'en fait, parmi ceux qui sont abonnés, eh ben, je vais regarder qui like plus mes photos, qui commente, qui est actif, en fait, tout simplement. Et je vais m'abonner à son compte. Comme ça, tu vois, ça peut faire plaisir. Surtout qu'il y a des abonnés qui ont envie que je m'abonne à leur compte, donc on sait jamais. J'ai aussi, les gars, un petit Twitch. Donc le Twitch, c'est pareil, c'est full boss tiré du bas. Les amis, j'aimerais bien reprendre les live Twitch, mais avant qu'on reprenne les live Twitch, j'aimerais bien avoir 1000 abonnés. Donc voilà, histoire d'avoir un petit peu une petite base, histoire d'être, tu vois, de pas être tout seul devant le stream, tu vois. J'ai pas envie de faire des lives et avoir une personne et c'est moi, tu vois. Ce serait un peu triste. En tout cas, voilà. Aussi, n'oubliez pas, les gars, de mettre mon code créateur sur Fortnite. C'est full boss, voilà. Le code créateur, je le pub rarement en ce moment, mais je l'ai. En tout cas, si vous jouez toujours à Fortnite, les gars, je ne sais pas. Est-ce que Estelle, tu joues toujours à Fortnite par exemple, je sais ouais, pas. Est-ce que t'as testé le nouveau chapitre? C'est ça, le nouveau chapitre? Ouais. Ou nouvelle saison? Ouais, il est trop bien. Nouvelle saison du nouveau chapitre, c'est ça, voilà. Parce qu'en fait, moi, comme vous savez, à l'époque, j'y jouais, mais vraiment, à la saison 1, saison 2 du premier chapitre, parce que maintenant, on parle en termes de chapitre, et ben, même qu'on m'appelait... Est-ce que tu te souviens du surnom qu'on me donnait? Tixi? Quoi? Tixi? Je sais pas. Laisse-moi faire le toit. Non, un surnom pas de youtubeur, un surnom, enfin, un mot, genre. C'était pas un youtubeur, toi, c'était un adjectif qui me rendait... Joueur pro?
je reprends. C'est presque ça, ouais. Pro player. Tu vas peut-être te foutre de ma gueule, en vrai. Vas-y, dis-moi. En vrai, il y a moyen. On m'a... Tu sais comment on m'appelait? Non, je veux bien. On m'appelait la machine. A few moments later. Bref, du coup, maintenant, on va vous faire un petit retour. On va terminer tout ça. Et on va pouvoir se poser, poser quelques questions simplement à Estelle pour savoir ce qui s'est passé dans toutes ces histoires, tu vois. Alors, du coup, tu voulais que je te rajoute quoi? T'as dit quoi? Tu veux que je rajoute quelque chose, Estelle? Non, ça va, c'est joli, joli comme ça, machin. Bon, je vais quand même rajouter quelques fours et quelques endroits pour crafter des choses. Parce qu'on sait jamais, ça peut toujours être utile d'avoir des fours. Pour que tu fasses la cuisine, pour que tu fasses la cuisine. Hein. Que tu fasses la cuisine. T'as cru, c'est un cliché avec les femmes. Ouais, mais c'est pas parce que c'est un cliché que ça doit être une excuse. Tu peux essayer au moins de faire des repas. Vous avez trop cru, sinon, vous avez dit que ça marchait comme ça. Tu me sers à quoi, là, sincèrement? Parce que moi, j'ai eu mérite, hein, sinon, c'est faux. Est-ce que j'ai dit qu'on était en couple? Non, j'ai dit tu vas peut-être devenir mon petit copain. Mais franchement, si t'as cru que j'avais quelque chose à faire de toi. T'es sûr? C'était méchant, ça, non? Alors, on m'a envoyé un message, faire disparaître full boss. Tout le monde, viens ici. Tu sais quoi, je mets les toilettes de ton côté, ok? Bah, tu dors à côté des toilettes, ça te dérange pas? Pourquoi moi je dors à droite? Je sais pas, tu veux dormir à gauche? Je dors à gauche. Bah oui, je veux dormir à gauche. Bah t'auras quand même un toilette alors. Mais non! Ah bah si, c'est la règle. Mais tu crois quoi? Il y a les gens, ils vont venir, ils vont voir. Mais faut bien faire nos affaires, tu veux qu'on fasse où? Bah oui, mais mets des murs au moins, je sais pas. Ah, une porte. Ouais. Je viens de penser à un truc. Comme ça, t'es là, voilà. tu vois ta tête. Tu vois le mec qui est en train de chier, tu vois juste sa tête. Coucou, ça va? Et moi j'arrive, je rigole. Bref, du coup, bonsoir. Alors Estelle, je vais te poser quelques questions. Alors du coup, pour commencer, pourquoi tu m'as mytho pour que j'aille en prison, tout ça? Parce que ça, j'ai pas encore avalé, tu vois, je l'ai pas bien pris, tu vois. Bon, Estelle, en fait, je t'explique. Oui, en fait, je t'explique. C'est que j'ai un casier judiciaire, parce qu'un jour, ils m'ont attrapé, et j'ai réussi à m'enfuir de prison, parce que t'as vu, moi, je suis trop la bête et tout. Et en gros, sur ce casier judiciaire là, il y a plus de 1300 morts. Hein? T'as tué 1300 personnes déjà? Plus de 1300 personnes. Moi, et tu comptes. Est-ce que moi je suis la 1301ème genre? Bah non, en fait, on m'a pas envoyé de message comme de quoi je devais te paraître. Ah! Et c'est qui genre qui envoie ce genre de message? C'est genre qui? Ah, je sais pas, c'est des gens qui ont accès au Darknet. Ils envoient un message, j'aimerais faire disparaître cette personne contre un certain prix d'argent. Si le certain prix d'argent comparé contre la personne, genre par exemple, tu vois, contre toi, contre une célébrité, contre toi. Ah, ben une célébrité, ça me fait plaisir ça. Mais ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il y a des gens, ils veulent. Ouais, des gens qui veulent ma mort. Bah, pour toi, en fait, il y a des gens, ils m'ont déjà demandé de te tuer, mais contre 10 000 euros. J'ai dit 10 000 euros, c'est pas assez. C'est un youtubeur à 200 000 abonnés, donc il va faire 200 000, son nombre d'abonnés fois 2. Genre par exemple, il y a des gens sur Instagram, ils ont 1 million d'abonnés. Faire 1 million fois 2. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais du coup, c'est pas simple, tu veux tuer Creeper, ça te coûte cher quand même. Bah, Creeper, ça me coûte quand même 600 000 hommes. Hein. Donc, 600 000 fois 2. Voilà. Quoi? J'ai pas compris la comparaison. Bref, du coup, je sais pas, toi, ce que tu comptes faire cet après-midi, je sais pas, j'ai bégayé, mais tu comptes faire quoi cet après-midi? Je pense que je vais. Attends, on m'a envoyé un message. Faire disparaître Twin. Oula! J'arrive! Wesh. Attends, non, vas-y pas, il est accompagné de quelqu'un, c'est un voyou, hein. Ah. Maintenant, il est avec quelqu'un, c'est un voyou, faut pas y aller, hein. Ah ouais? C'est un voyou, si en plus, je le connais, ce voyou. C'est un méchant gang. Attends, je vais tuer un abonné à Lucas. Ah, c'est pas lui, le voyou, t'inquiète pas. Lui, il est con. Non, lui, c'est un abonné. Lui, c'est un forain. Non, c'est son abonné. Bref, du coup, tu comptes faire quoi cet après-midi? Genre, t'as rien de prévu ou t'as quelque chose de prévu? Je crois que je vais aller braquer le Plaza. Le Plaza? D'accord, mais toi, tu vas avoir des problèmes. En tout cas, moi, je vais te laisser Je vais aller tuer Elon Eibor. Bah, vas-y, ciao. Hein. Ok. Bon, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser et on va aller la retrouver, du coup, les amis, je pense, dans la nuit, pour voir un peu. On va essayer de l'espionner cette nuit dans sa maison pour voir ce qu'elle fait. Quoi? J'ai dit à Elon Eibor que
qu'il avait pas peur de t- que tu as dit que t'avais pas peur de lui, que c'était une prout. Et il veut te tuer. Cool, enfin, cool mec, cool, cool. Ok mec, cool, cool. Ok. Bon, du coup les gars, on est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, vidéo en deux parties, mais en une seule vidéo. Comme ça, tu vois, c'est carré, c'est simple. Ça, la vidéo, elle a un début, elle a une fin. Voilà, comme ça, c'est carré. Je trouve ça mieux que de faire en deux parties, genre une vidéo le lundi, une vidéo le mardi. Je préfère faire deux parties dans la même vidéo, comme ça, vous comprenez tout. Et vous avez pas le choix de tout regarder, comme tu vois, t'as pas le choix. Sinon, tu peux pas comprendre, tu vois. Bref, du coup, comme ça, c'est plus simple. Vous n'avez pas à chercher, genre, l'autre vidéo, comment c'était le jour. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la voir la nuit. En sachant que le jour, déjà, elle était quand même assez bizarre. Parce que vous savez qu'elle parlait de faire un braquage. Elle parlait d'aller voir des abonnés de Lucas Louis. Donc, Lucas Louis qui est un youtubeur, vous voyez. Et aussi qu'elle voulait aller voir Hello Neighbor et qu'elle avait dit à Hello Neighbor que je voulais l'affronter ou que je l'aimais pas. Enfin, des choses bizarres, je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit parce que je l'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu ce qu'elle m'a dit étant donné que je n'ai pas bien écouté. C'est simple, quand t'écoutes pas, tu retiens pas. Ça paraît logique. En tout cas, voilà, on est parti pour aller voir cette fameuse. Comment elle s'appelle? Est-ce que vous avez retenu? Elle s'appelle Estelle, quel beau prénom. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à aller me suivre du coup. Code créateur Fortnite Full Boss, Instagram Full Boss du bas et Twitch Full Boss du bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'espionner un petit peu, tu vois, pour voir un peu ce qu'elle fait. On va espionner deux petites minutes. Alors, oula, qu'est-ce qu'elle fait? Oula, on dirait qu'elle fait un genre de rituel chelou. Je sais pas trop ce qu'elle est en train de se préparer. On va aller voir de l'autre côté si on voit mieux, si on a une meilleure vision ou si on a une meilleure visibilité. À l'étage, qu'est-ce qui se passe à l'étage? Ok, y a rien à l'étage. Ici, y a quoi? Ah. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok les gars, on va aller de l'autre côté, on va essayer de la voir. Là, on va voir sa tête pour voir ce qu'elle est en train de préparer tout simplement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Estelle? Oula. Et plutôt chelou les amis, Estelle. Je sais pas si vous trouvez ça normal, mais je sais pas pourquoi. Alors c'est quoi, on va toquer une fois? What? Il y a un villageois juste ici, on va aller voir ce qui se passe. Wesh, qu'est-ce que c'est que ça? Wesh, les gars, est-ce qu'on rentre ou pas? J'ai cru voir des ordres de yeux rouges assez flippants. On va rentrer du coup. Estelle, c'est full boss, je peux rentrer? Estelle? Je vais vous bouffer. Oula. Je vais vous bouffer tout cru. Wesh, tout cru, je vais vous bouffer, toi. Estelle? Wesh, Estelle? Coucou. Je te bouffe comme eux, regarde, je les bouffe. Oula, waouh, waouh, waouh. Oui. Wesh, elle a fermé. Wesh, wesh, Estelle, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Estelle? Eh, on fout le boss. Oula, ouais, t'es plus la même, hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te donne une avance de sexe. Ouais. Ok. Deux. Wow, 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 les gars, elle a pas kiffé, je ne sais pas pourquoi, mais Estelle a l'air énervée. Wesh, elle vole et tout, Estelle. Elle a l'air de cheater et tout, hein. On dirait qu'elle a des cheats et tout sur son ordinateur, tu vois. Or, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller se cacher tout simplement chez Oggy. Donc voilà, c'est un peu ma maison de prédilection. Vu que tout simplement j'ai présenté. Ah, j'ai me caché dans ma cachette. Ok, on ferme. Déjà, on va fermer. Comme ça, le loup-garou va perdre un petit peu de temps. Je pense qu'il va prendre 6-7 secondes à péter la porte. On va voir un peu ce qu'il en est de la porte. Ah, il s'est cogné dessus. Ok. Bon, les amis, il y a Estelle qui s'est transformée en loup-garou ultra méchant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher dans le tableau. Et vu que c'est un loup-garou qui est pas. Un loup-garou, c'est pas super intelligent. On va se cacher simplement dans le tableau. On va attendre que simplement il reparte, tu vois. Peut-être qu'il s'est dit que je suis parti, donc on verra bien. Full boss. Qu'est-ce qui se passe? Mais bientôt réussir à péter la porte. On va voir ce qu'elle fait. Les amis, Estelle, je sais pas ce qu'elle a fait. Si elle a mangé un truc, si elle a. Je sais pas si un truc s'est mal passé dans sa vie ou quoi. Ou si simplement elle a une malédiction. Hein. Ça se trouve, les amis, elle a rencontré une sorcière bizarre. Et puis voilà. À un moment, les amis, j'ai failli faire une vidéo avec une sorcière. Mais en fait, elle est morte. J'ai voulu faire une vidéo avec. En mode, je rencontre une sorcière. Mais elle est morte, la sorcière. Du coup, j'ai pas pu terminer ma vidéo. Alors, par contre, c'est bizarre que Estelle ne vienne pas. Ça s'annonce mal hein, qu'elle vienne pas quand même. Full boss. Parce que ça me paraît logique qu'elle vienne vérifier ce qui se passe ici. Oh wow. Oui. Je te vois. Oh putain. Oh putain. Ça me fait peur.
Ça fait peur, wesh. Les gars, ça a fait peur, ça a fait peur. Waouh. Les potes. On va aller se cacher directement dans la grotte, tout simplement, de Momo. Donc, c'est la grotte de Momo, ça le clown. C'est vraiment une grotte où tous les monstres se la partagent. Du coup, attendez, loup-garou, ok, ça va, il a pas l'air trop énervé. Parce que des fois, il tape des accélérations, mon pote. Ou des accélérations du futur, c'est même pas légit. Bref, du coup, les gars, on va se cacher dans cette petite forêt. Plutôt sympathique, tu vois. On va essayer de se cacher dans la grotte pour voir ce qu'il en est. Hop. Merde, je me suis bloqué dans les liens. Vite. Boss, t'es où? T'es dans quelle grotte? Wesh! T'es où? Boss, oui. T'es où? T'es là? Oh! T'es où? T'es là? T'es où? Wesh, elle m'a pas vu. Qu'est-ce qu'elle a? What? Les gars, boss. Ok, je vais chez Oggy, je vais le buter. Oh, what, les gars? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Ok, du coup, là, il y avait tout simplement le loup-garou qui... Wow! Oui! Au revoir, footboss! À la prochaine! Attends, les gars, je parle pas. Elle est partie. Oh, elle est trop bête. Les gars, elle est trop bête. Elle est partie. Mais non... Elle est vraiment trop bête. Oh là là, les gars, comment je me suis mis bien. What? Oui, ouais, les gars, elle est là. Wow, Yestel. J'en ai que j'étais bête. Ok. Si tu veux, attends, on peut s'arranger. Oh, regarde, des marguerites. C'est beau, les marguerites. Aïe, wesh. Hey, me tape pas, je suis gentil. Je suis pas un prédateur. Oh, tu m'as... Hey, t'as l'air malade, t'as le corona. Je vais les bouffer. Ok. Mange-les si tu veux, mange-les, mais pas moi. Ne me tabarre pas. Attends, pourquoi t'es énervé contre moi? Je suis pas un humain, je suis un astronaute. Why? Arrête de me taper, ça fait mal, hein. Attends, si tu veux, on peut parler. Oh, il y a nos neighbors qui arrivent. Wesh. Ok, les gars, on va pas traîner chez nos neighbors. Non, sincèrement, Ok, les gars, faut qu'on aille se cacher dans un trou. Ok. Allez, full boss, viens m'aider. Non. Les gars, on va attendre le jour. Merde, elle a pété ma porte, la folle. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va remettre l'atelier en place et on va attendre que la nuit passe pour pouvoir simplement retrouver cette même fille le jour pour voir si tout redevient comme avant, en espérant que tout redevienne normal. Bon, du coup, les amis, en fait, la vidéo sera en trois parties parce que, trois parties, c'était prévu deux parties de base. Mais je me suis dit, en fait, pour bien analyser la vidéo, autant faire jour. Comme ça, on voit avant, nuit, on voit pendant, et jour, rejour, comme ça, on voit après. Avant, pendant, après, passé, présent, futur. Tu vois, c'est à peu près ça. Je pense que vous avez compris l'idée. Et je trouve qu'en fait, trois parties, c'est vraiment excellent pour bien comprendre tout un personnage. Après, il faut plus, c'est encore mieux, mais moins, c'est pas assez. Du coup, là, alors, le loup-garou était bloqué tout simplement par ici, alors dans un trou. Estelle? Ah, c'était là, je pense. Non, c'était pas là. Estelle, t'es où? Estelle, c'est full boss. Estelle? Wow, Estelle! Hey, Estelle, réveille-toi! Estelle! Oh! Ça va? Attends, c'est peut-être pour ça qu'elle a le pantalon déchiré. En fait, elle se transforme en loup-garou la nuit, donc elle déchire tous ses vêtements, c'est peut-être pour ça. Hein. Pourquoi je me... Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'était pas dans la... Viens, remonte. Il s'est passé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as emmené? Tu te rappelles dans... de rien? Bah, je me rappelle juste qu'on était dans la maison, puis je crois que tu m'as assommé, et puis je me... Bah ouais, c'est bizarre, non? En fait, t'es tombé dans les pommes. Ça va mieux? Ouais. Vas-y, viens avec moi. Vas-y, tu sais quoi, on rentre à la maison. Viens. Pourquoi j'ai un goût de sang dans la bouche? Je sais pas, c'est... Les gars, est-ce que je lui dis? Je sais pas, les gars, si je dois lui dire, parce que peut-être qu'elle le sait pas qu'elle est comme ça, et peut-être que ça va la faire peur. Enfin, dites-moi, les gars, dans les commentaires, je veux savoir votre avis. Moi, pour le moment, je pense que je vais rien dire, mais je veux savoir votre avis, si je dois le dire ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui eux? Je sais pas. Oh, c'est des intrus. Sortez d'ici. Oh, elle garde les effets de loup-garou un peu. C'est bizarre. Bon, du coup, Estelle, je vais te conseiller de faire quelque chose. C'est de simplement te reposer. Parce qu'en fait, t'es tombé de 3 mètres de haut. Et tu t'es fait très mal. C'est la première fois que ça m'arrive. T'inquiète, ça va aller. Tu te mets la télé tranquille et puis voilà. Explique-moi ce qui s'est passé. Non, t'inquiète. Faut que tu te reposes, parce qu'en fait, tu vas pas comprendre. Explique-moi. Tu vas pas comprendre, en fait. Excuse-moi, j'avais un peu la voix cassée. Ok. Vas-y, bah, repose-toi bien, ok? Ouais, vas-y, bonne ciao. Nuit. Ok, du coup, voilà. On a enfin terminé la vidéo. On a enfin réussi la mission de la mettre en sécurité. Parce que, du coup, il y avait
un loup-garou qu'il a. En fait, il y a un loup-garou, je pense qu'il a posé. Et ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera d'aller voir une sorcière, d'aller voir un magicien qui pourra peut-être transformer son mal en comment t'appelles ça, en tu vois, enfin l'enlever, tu vois, tout simplement. J'avais plus le mot. Du coup, on va laisser un autre, tu vois. Bref, du coup, voilà, les potes, c'était Full Boss. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à activer la cloche des notifications. Ça ferait plaisir. Et commentez, les amis. C'est toujours important de me donner votre avis sur la vidéo, ce que vous en avez pensé, quelle était votre partie préférée. Si c'est la première, la deuxième ou la troisième avec la conclusion, tu vois. Moi, personnellement, la deuxième, elle m'a choqué un petit peu. J'étais pas prêt à ce qui allait se passer, tu vois. En tout cas, voilà. Les amis, c'était Full Boss. Ciao.